Je pense donc je suis. Mais alors ça veut dire que... La philo sa mère. Hey, salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de La philo sa mère. Aujourd'hui, on se retrouve pour le commencement du début du départ, c'est-à-dire je pense donc je suis. Alors aujourd'hui, ça va être formidable, ça va être organisé, tout ce qu'il faut. On va commencer par l'explication de la théorie. Ensuite, on va venir sur ce que je vais appeler les conséquences et qui va me permettre d'élargir au sujet. Et ensuite, on va terminer par l'after, une petite partie où je me détends, tu vois, je fais un petit peu ce que je veux. Et c'est parti. Wesh. Donc, premièrement, pour comprendre ce que ça veut dire, je pense donc je suis, il est important de comprendre d'où ça vient. Alors, ça vient déjà d'un gentil monsieur qui s'appelle Descartes. Et alors Descartes, ce qu'il a fait, c'est qu'il a tout mis en doute. Tout ce qui était autour de lui, l'espace, le temps, sa propre existence, il l'a mis en doute. Il s'en est remis au complot jeux vidéo maçonnique, tu vois. Et en fait, il s'est dit, si tout est faux, si tout est calculé, même si tout n'existe pas, si rien n'existe, qu'est-ce qui reste? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut quand même exister dans le sens où... Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut, comment dire, outrepasser cette loi du « rien n'existe » et il se rend compte que sa propre pensée existe. C'est-à-dire qu'il a beau, penser que tout est faux, n'empêche qu'il le pense, que la pensée est bien réelle, est bien là. Et la pensée, elle n'émane pas de nulle part. Elle n'est pas flottante dans l'espace, et puis elle se balade, elle va voir Jean-Mich, et voilà, Jean-Mich fait « Oh, Eureka !» Non, ça marche pas comme ça. La pensée émane de quelqu'un. Et donc il se dit, même si mon corps est faux, la pensée émane de quelque chose, de moi-même, le moi. Voilà. Et donc c'est « je pense, donc je suis », c'est pour ça que ça marche que dans un seul sens. C'est « l'existence ne vient que par la pensée ». Hein, ça marche pas dans l'autre sens, mon petit filou. Attention. Donc même si son corps, il le met en doute, il y a quand même une personnalité, un monsieur Descartes, qui se dit, hey, c'est pas con ce que je viens de trouver, les copains. C'est parti. Mais alors, tu veux dire que j'ai une personnalité à moi, et que je ne suis pas juste un simple personnage secondaire que tu as inventé car tu n'avais pas d'amis? Oui. Mais donc, ça veut dire que je peux me barrer si je veux? Ah oui. Waouh. Mais qu'est-ce que tu fous? Reviens! J'ai besoin de toi, moi, qu'est-ce que tu... Les stagiaires. Et donc, on entre dans les conséquences. Et donc, pour Descartes, une des conséquences de ce temps dont je pense dont je suis, c'est qu'il y a à l'intérieur de nous un moi, une personnalité qui est bien réelle et qui est singulière, qui appartient à chacun. Par exemple, moi, ma personnalité, c'est d'essayer de vous vulgariser la philosophie tranquillement, et puis après, je peux commencer à aubergine, tu vois, faire n'importe quoi, sauf que ça, je l'ai décidé. Parce que le moi s'est dit, tiens, et si je les embrouillais un petit peu, les petits filous, hein, voilà, pour leur expliquer. Et donc voilà. Et ça, c'est ce qu'on peut appeler la conscience, c'est-à-dire tout ce qui est... la conscience, en fait, c'est le sentiment qui nous accompagne, que c'est nous qui réfléchissons, c'est nous qui agissons, et qui nous accompagne en permanence, hein, bien sûr, et aussi, c'est ce qui nous fait savoir qu'on est le même à travers le temps. C'est-à-dire que moi, je vais me réveiller le matin, tu vas te réveiller le matin, mon petit bonhomme ou ma petite bonhommesse, voilà, et tu vas te dire, oh bah tiens, c'est marrant, je suis moi. Ta-ta-ta-ta-da, merci Captain Obvious. Voilà. Et donc ça, c'est la conscience. Mais, ça induit aussi l'inconscient, hein, la fameuse chose dont on nous parle toujours. Oui, c'est ton inconscient qui te fait dire ça quand on fait un lapsus ou quand on rêve, par exemple. Eh ben écoutez, moi je vous ai mis l'eau à la bouche, mais vous en parlerai la prochaine fois. Heureux qui comme Descartes et voilà trop soigné, car il a découvert une grande vérité. Alors si toi aussi le soi que tu veux posséder, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner.